للرانديفو اليوم رح نحكي عن فيستيفال سينمائي جديد بلبنان وهو الفيستيفال انترناسيونال دو فيلم دو لا ريزيستانس كولتوريل. معي بالستوديو مخرجة افلام ومعي ايضا شخص من منظمي المهرجان. بونجور انكي. Good morning. Good morning. Ing, you are one of the participants in the festival. You are a film director. We will talk today about two movies that you did and that you showed in the festival last year and this year. Et bonjour donc Mathilde Rouxel. Mm-hmm. Vous êtes une des organisatrices du festival et le festival c'est la deuxième année que ça se passe au Liban. Pourquoi c'est un festival de la résistance? Quels sont les thèmes des films qui vont être projetés? Cette année le festival se déroule sur 5 villes. C'est beaucoup plus important que l'an dernier où on est juste intervenu à Tripoli et à Beyrouth. Mm-hmm. Cette année notre objectif c'est de proposer la possibilité au Liban de s'unir le temps d'une semaine et parler le même langage, le langage du cinéma. Mm-hmm. C'est en ça qu'on fait un acte de résistance. On résiste contre la guerre, on se bat pour l'unité du pays. Et avec des films qui viennent d'Asie et de Méditerranée, parce qu'il faut rappeler que le Liban est au carrefour de toutes ces civilisations-là et on essaie de le rappeler en donnant une place au cinéma d'Asie qui est peu vu ici au Liban. Avec des films qui parle de trois thèmes principaux. On travaille sur la question des brûlures de l'histoire, c'est-à-dire la question de la mémoire, la question de comment s'en sortir après la guerre, comment reconstruire un pays, comment se rappeler, comment se rappeler d'une guerre, bien sûr, d'un événement peut-être. Et comment vivre avec, comment dépasser ça pour continuer à construire. Mm-hmm. On a un deuxième thème très important qui s'appelle les voix au féminin, pour donner une place à la femme dans un monde où finalement leur situation reste assez précaire et reste encore à développer. Et une troisième section qu'on appelle « Renaître à 20 ans mmh. », qui parle de cette jeunesse-là, justement, qui, après des mouvements sociaux, des guerres, des problèmes politiques, sociaux, doivent se relever et, avec un dynamisme, essayer de créer une nouvelle société. Quelle ville vous avez commencé par visiter? Parce que le festival a déjà commencé mercredi passé et continue jusqu'au 17. C'est ça. Novembre. Vous avez déjà commencé, vous avez déjà projeté des films et visité quelques villes du Liban. Quelle ville? On a lancé le festival à Beyrouth, mercredi dernier, le 12. Nous sommes allés à Tyr le 13 pour une ouverture au théâtre Hamra de Kassem Stambouli, qui était une ouverture tout en fanfare, tout en musique. Et c'était très, très, très populaire, très, très beau à voir, très, mm-hmm. très touchant. Vous nous avez amené des photos, en tout cas, on va essayer de les voir pendant qu'on discute. Oui, merci. OK. Et on est ouvert hier, à la fois à Saïda et à Sarlé, où nous intervenons aussi pour projeter des films qui se passent à Beyrouth également. Et Beyrouth, bien sûr, et au Beyrouth. Cinéma Métropolis Empire Sophie. Et à l'espace culturel d'Awawin, où nous projetons des films plus expérimentaux, plus difficiles peut-être, plus pointus, mais pour un public aussi qui s'attend plus à ce genre de film. D'accord. لكن فيستيفال رح بيدور بلبنان طبعا بسينما متروبوليس امبير صفيل وهن بيختاروا لبنان لانه لبنان طبعا هو يعني ملتقى حضارات وكلهم بيحكوا لغه السينما رح بيزوروا خمس مناطق من لبنان لحتى تكون ايضا هسه عم تنتشر اكثر واكثر ومن ضمنهم بيروت وصور وطرابلس ثلاث اقسام او ثلاث مواضيع عامه للافلام وهن عامه موضوع ذاكرة ما بعد الحرب تاريخ ما بعد الحرب موضوع المرأة وموضوع الشباب بشكل عام كيف يقدروا ينجوا أو يخلصوا ويبلشوا حياة جديدة من بعد هيك أحداث. In case you are Thai, you have two movies this year. One that we talked about last year, and it's Shakespeare Must Die. You had some issues with the Shakespeare Must Die in your country. What happened? It's banned as a threat to national security. Mm-hmm. Can you imagine? After 400 years, okay. Macbeth, you know. This was your resistance, actually. Yes. My whole life is a resistance. Okay, and yes. That's why you show your movies in this festival, especially. It's very moving to be in this festival, to be in Beirut with a film like this, mm-hmm. because I realize what it is, you know, that my problems are nothing,
compared to everything in the world, and I'm doing the right thing, that I'm fighting, you know. It's just a horror movie, but mm-hmm. it's Shakespeare, it's yeah. Macbeth, and... It's an adaptation of Macbeth, that's right. the real story of Shakespeare. That's right, it's 400 years old, but they banned it in Thailand as a threat for to national security. It says that it will split up the country. Why? Can you imagine? Why? Because we have a problem with a man who is just like Macbeth. Mm-hmm. Let's keep it like that. We won't say more. Yeah. And this year, so you had a reaction about what happened. And you have a new movie. It's a documentary. Yes. It's Censor Must Die. That's right. What is it about? I followed my producer with a camera because he went to the censors once, twice, still no decision, and he was so depressed. Yes. I said, okay, I'm coming with you. Yes. I'll take a camera, they'll think you are a celebrity, mm-hmm. and then we'll look good for you, and it's for legal protection also. And then I realized this is a reality TV. Yes. This is like a movie. And so I followed to the end. Until, you know, the whole process. And it became a movie, a long yes. movie, of course. Yes. We will see, we will watch now the trailer and I'll get back to you. I think we can smell the revolution, the resistance in this movie too. You will have new problems in Thailand? Well, I sent it to the censors. Yes. And that's my resistance, right? And the censors say, this film, because of Article 27.1 in the law, yeah. doesn't have to go through the censors because it's made from events that really happened. Historical events. No, it's for news footage. Okay. It's law. Okay. It's crazy. Okay. Mm-hmm. So, mm-hmm. you know, but it means no rating. No rating, so no cinema will show it because, in effect, it's banned also. Mm-hmm. Mm-hmm. You see. So you cannot show it in Thailand or it will pass? Yeah, where can I show it, you know? Because the censors didn't pass it. They okay. didn't ban it, but they didn't pass it. You know, it's bureaucracy. Okay. لكن إنكي اللي هي تايلندية عم بتخبر عن أفلامها الاثنين فيلم شيكسبير ماست داي اللي انعرض السنة الماضية بزيت المهرجان بمهرجان المقاومة الفيلمية وهالفيلم اللي توقف بتايلند لأنه اتهم إنه هو ضد ال يعني الحكم بتايلاند عملت نوع من ردة فعل على هالتوقيف للفيلم وعملت فيلم حالي اللي هو وثائقي واللي بخبر قصص حقيقية جامع مشاهد من الأخبار وإن شاء الله بينعرض بتايلاند وما بيكون فيه عليه أي مشكل رح ينعرض السنة ضمن مسابقة رح بتكون بالمهرجان. Le programme de cette année, il y a une compétition aussi, Mathilde. Il y a trois compétitions. On a pour les films, on a une compétition fiction mm-hmm. avec un jury international qui va juger du meilleur film de fiction, qu'il soit d'Asie ou de Méditerranée. Mm-hmm. On a une compétition documentaire et également une compétition netpack. Le netpack, c'est un réseau de You won the NetPack prize. What's the last NetPack? Year? Yes. What's the NetPack? Network Inc? For the Promotion of Asian Cinema. Mm-hmm. Which, okay. Yeah. Okay. They take
they give this award at many festivals and they take the films around the world. OK. Yeah. Mathilde, on va voir le trailer et on continue. Mathilde, il y a une soirée de clôture qui va être un peu une soirée vraiment... Oui, on organise une soirée à la LAU, à la Wing Theatre. Donc il faut faire attention, c'est plus au Métropolis, on se déplace parce qu'on est, en partenaire avec des universités également. Et la LAU nous offre son théâtre pour la soirée de clôture, où, au cours de laquelle on projettera un film magnifique, un film de 1925 en noir et blanc, muet, Light of Asia, qui sera accompagné d'un jeu au piano, en live de Paul Khalife, qui va nous offrir du coup un vrai spectacle pour cette cérémonie de clôture. Qui donc ça va être une vraie cérémonie, une cérémonie musicale, oui. Filmique. C'est ça, tout à fait, un vrai spectacle pour remercier tous ces réalisateurs qui sont là et tous les films qu'on a pu projeter. Et le jury aussi qui sera présent, plusieurs jurys. Les résultats de la compétition vont être révélés quand ? Justement, au cours de cette cérémonie, lundi prochain. OK. لكن أيضا في سهرة لختام المهرجان وخلالها راح بيكون في عزف موسيقي لبول خليفة وأيضا راح بيكون في فيلم من سنة 1925 ونتائج طبعا المسابقة ثلاث مسابقات ثلاث نتائج راح بيكونوا لكل اللي شاركوا بالفيلم وأيضا مسابقة لكتابة نقدية كمان. Mathilde, on a vu des photos en noir et blanc, c'était quoi? C'était ça, c'était le film de Light of Asia. Light of Asia, le film qui sera projeté lundi prochain. OK. Merci beaucoup, Mathilde Rouxel. Thank you. Thank you. Okay. Good luck for the new movie. No more problems, please. Thank you for your presence. مشاهدينا, احنا رح ناخذ وقفه قصيره ومنتابع Connected مع جيسي.